Vragen aan de heer Van Akkeren, minister van Buitenlandse Zaken. Dan de heer Piet de Bruin, daarna madame Arena en monsieur Millet. Voorzitter, minister, collega's. Vorige week vrijdag verzamelden heel wat mensen op verschillende plaatsen in Europa, maar zelfs daarbuiten dacht ik, om te vertrekken naar Palestina. Nu, dat klinkt eenvoudiger dan het is. Naar Palestina reizen moet je nog altijd doen via Israël. In Israël moet je dan vervolgens de toelating krijgen om het land te betreden en door te reizen naar Palestina. De actie Welkom in Palestina paste eigenlijk of had een dubbel doel. Enerzijds wilde men opnieuw aandacht vragen voor het probleem van de bezetting waaronder de Palestijnse gebieden nog altijd te lijden hebben. Anderzijds wilde men ook de nadelige gevolgen van die bezetting aan de kaak stellen door eigenlijk een week het leven te delen van mensen in de Palestijnse gebieden. We vernamen uit de pers dat ook een 40-tal, 50-tal, het aantal is minder relevant, maar landgenoten deelnamen aan die operatie. Maar wat mij meer verbazen is dat we ook konden lezen, tenminste in de pers, dat vanuit overheidswegen van de Israëlische kant er behoorlijk wat druk werd uitgeoefend op een aantal landen. Het precieze aantal werd niet bepaald en ook de landen zelf werden niet bepaald. Maar flink wat druk werd uitgeoefend om het welslagen van de actie te verhinderen, onmogelijk te maken, te bemoeilijken. Daarover kunnen we discussiëren. Nu, op zich verbaast me dit, omdat ik denk dat de actie op zich in geen enkel opzicht gewelddadig was. In geen enkel opzicht een bedreiging betekende voor de veiligheid van de staat Israël of haar burgers. Integendeel, ik denk dat het een vreedzaam vorm van protesteren is, iets dat eigenlijk in elke democratische rechtsstaat verdedigd zou moeten worden. In dat opzicht heb ik eigenlijk twee vragen aan de minister. Een eerste vraag betreft het feit of de Israëlische overheid al dan niet contact heeft opgenomen, laten opnemen met de diensten van de minister en of dat was met de vraag om op enigerlei wijze tussen te komen om het bezoek van een aantal mensen aan de Palestijnse gebieden te verhinderen. Een eerste vraag. En een tweede vraag, wat de aard van de diplomatieke steun is geweest of de consulaire bijstand is geweest waar onze landgenoten hebben op kunnen rekenen op het ogenblik dat zij geconfronteerd werden met een bijzonder onwillige Israëlische overheid op het ogenblik dat zij zich aanmelden in Tel Aviv om door te kunnen reizen naar de bezette gebieden. Dank u wel. Dank u wel. La parole est à madame Arena. Merci, monsieur le ministre. Vendredi dernier, comme l'a dit mon collègue De Bruyne, les militants de l'association Bienvenue en Palestine devaient se rendre à Tel Aviv à l'appel de 15 organisations palestiniennes afin de dénoncer le blocus imposé par Israël sur les territoires palestiniens. Ces personnes ont été bloquées à l'enregistrement de leur vol de la Swissair. Les militants ont protesté et lors de leur protestation, des agents de comptoir ont fini par leur remettre un document indiqué que ces personnes étaient interdites d'embarquement en raison d'une requête du ministère israélien de l'Intérieur. En France, la même attitude a été adoptée. Une cinquantaine de militants qui souhaitaient voyager sur des vols de la Lufthansa ou Alitalia ont eu un traitement similaire. D'après la presse israélienne et internationale, les autorités israéliennes ont voulu empêcher que ces militants estimés à plusieurs centaines que ces militants manifestent à leur arrivée contre la politique israélienne. Alors on sait, et l'actualité montre à quel point la politique israélienne est très sensible aujourd'hui contre tout ce qui est l'opposition à cette politique israélienne. Les autorités israéliennes auraient dès lors communiqué dès le jour avant aux compagnies aériennes desservant le principal aéroport du pays une liste de 342 noms de personnes jugées indésirables sur le territoire israélien. Dès lors, Monsieur le Ministre, je souhaite savoir si les autorités belges ont été informées au sujet de cette situation problématique. Est-ce que vous pensez du fait que, effectivement, si on peut entendre que l'État israélien est souverain concernant l'entrée sur son territoire, tout citoyen a par contre, lui, le droit de quitter son pays, chose qui lui a été interdite au départ de Zaventem. Et donc, je voulais avoir votre réponse à ce sujet. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Richard Miller.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, complémentairement aux interventions de nos collègues, je voudrais me focaliser sur la situation d'une quarantaine de citoyens belges qui ont été bloqués en Israël. Il s'agissait de militants de la cause palestinienne qui voulaient se rendre dans les territoires palestiniens. D'après les informations qui ont été diffusées dans la presse, 22 de ces Belges sont rentrés en Belgique, 16 ressortissants restent toujours bloqués en Israël. La presse a évoqué le fait que ces militants étaient déjà interdits d'entrer en Israël. Or, il semblerait que cette affirmation ne soit pas totalement vérifiable. Ensuite, j'ai lu qu'il pourrait y avoir des mineurs d'âge dans le groupe de Belges retenus. Enfin, les représentants d'ambassade belge en Israël ont rapporté que les détenus étaient bien traités, se portent bien, etc. Monsieur le ministre, sachez qu'au même moment, une mission de coopération organisée par la province de Hainaut, qui comprenait des députés et des conseillers provinciaux, ont assisté à certaines scènes d'arrestation et ont rendu compte d'actes de violence à l'égard des ressortissants belges. Monsieur le ministre, après avoir, je suppose que vous pourrez nous donner un nombre exact de ressortissants belges concernés par ces faits, le nombre de ceux qui ont pu rentrer, pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons officielles qu'Israël a invoquées pour justifier les arrestations de ces personnes? Et avez-vous la certitude que les personnes sont bien traitées? Dans quelles conditions sont-elles retenues? Et plus particulièrement en ce qui concerne les mineurs d'âge, s'il s'avère qu'il y en a. Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Madame la Ministre, vous avez le droit. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur Miller, vous confirmez que les 40 personnes qui ont été arrêtées vendredi le 8 juillet, que l'ensemble de ces 40 personnes, entre-temps, sont retournées en Belgique. Dus het volledige groep van 40 personen die vorige vrijdag zijn aangehouden, zijn inmiddels allemaal naar België teruggekeerd, de laatste twee gisteren namiddag. Ik wil de Senaat wel nog op de hoogte stellen van het feit dat op dinsdag 12 juli onze post ter plaatse op de hoogte is gebracht van de aanhouding van nog een landgenoot, die dus niet geblokkeerd was geweest, die niet in de groep van de 40 zat, maar die vooralsnog aangehouden is. Deze namiddag vindt er een consulair bezoek plaats en ik zal me laten informeren over de precieze omstandigheden van de detentie en van de aanhouding. De medewerkers van onze ambassade in Tel Aviv hebben de situatie van de 40 gearresteerde Belgen op de voet gevolgd en hebben ze elke dag een bezoek gebracht in de respectievelijke detentiecentra. Dit uiteraard ten einde zich ervan te vergewissen dat onze landgenoten correct behandeld werden. Daar waar er tekortkomingen waren, zorgde onze ambassade ervoor dat ze verholpen werden door de directie van de detentiecentra. Bij het bezoek aan het detentiecentrum in Beersheva, waar de 5 Belgische minderjarigen vastgehouden werden, ging onze ambassade in eerste instantie na of deze minderjarigen inderdaad correct behandeld werden en hebben mijn medewerkers de aandacht van de directie van het centrum gevestigd op hun aanwezigheid. Ik herhaal wat ik 2 dagen geleden ook al in de Kamercommissie heb gezegd, dat ik het ongepast vind dat de organisatoren minderjarigen hebben toegelaten om deel te nemen aan een actie die niet zonder gevaar was en waarvoor ook in bijzonder expliciete termen gewaarschuwd was voor een aantal risico's. En ik betreur ook dat de organisatoren niet voordien met mijn diensten contact hebben opgenomen om een namenlijst van deelnemers over te maken, zoals eigenlijk expliciet in het reisadvies vermeld staat. Het betekent meteen ook dat alle assistentie die de Belgische diplomatie heeft gegeven noodzakelijkerwijs voor een stuk achter de situatie heeft moeten aanhollen, eerder dan nog preventiever te kunnen optreden. Notre ambassade a assisté de façon le plus proactive que possible tous les compatriotes qui voulaient rentrer en Belgique en les aidant à trouver une place sur les vols disponibles. Notre ambassade réclame que les ressortissants ont été traités correctement dans les centres de détention. Toutefois, des inconvénients ont été constatés lors du transport vers ces centres. Les activistes ont été invités à nous faire part des éventuelles brutalités subies pour que je puisse entreprendre les démarches nécessaires
auprès des autorités israéliennes. Je souhaite quand même aussi vous signaler que les organisateurs ont explicitement remercié notre ambassade pour l'assistance qui a été apportée aux personnes détenues. Notre ambassade a effectué plusieurs démarches auprès des autorités israéliennes afin de connaître le motif de l'arrestation et du refoulement de nos compatriotes. Jusqu'à ce jour, ces démarches sont restées sans réponse. Les autorités israéliennes n'ont pas formulé de demande auprès de la Belgique pour empêcher la mission en question. Het is wel zo dat onze ambassade door het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd werd over de specifieke maatregelen die Israël zou treffen naar aanleiding van deze actie ten opzichte van de personen aan wie eventueel de toegang tot het grondgebied zou ontzegd worden. Ik heb geen zwarte lijst, de zogenaamde zwarte lijst, ontvangen van de Israëlische overheden en ik kan u het bestaan ervan dan ook niet bevestigen. La décision de laisser ou de ne pas laisser des passagers à bord d'un avion fait partie de l'autorité des compagnies aériennes. Het is zo dat de conventie van Chicago bepaalt dat een vervoerder het recht heeft om passagiers te weigeren die niet aan de binnenkomstvoorwaarden voldoen in het land van bestemming. En de reden daarvoor is natuurlijk dat zo'n luchtvaartmaatschappij, zo'n vervoerder, een boete riskeert voor elke persoon die hij vervoert en die de toegang tot het land wordt geweigerd. En dat die meestal ook verplicht is op eigen kosten die personen terug te vervoeren naar de plaats van vertrek. Donc il n'a pas été question d'un certain empêchement de quitter le pays, mais il a été question, pas par l'intermédiaire de l'autorité belge, mais plutôt par les compagnies aériennes, de ne pas autoriser l'embarquement pour les personnes dont on avait établi qu'ils ne seraient pas acceptés dans le pays de destination. Ik bevestig inderdaad dat Israël het soevereine recht behoudt om de toegang tot haar grondgebied te controleren en zelfs te weigeren. En ik wil, ondanks het feit dat niemand ernaar vraagt, toch ook nog eens namens de Belgische overheid in alle duidelijkheid zeggen dat ook de Belgische overheid de blokkade contraproductief vindt. En dus met andere woorden, le fait de dénoncer ce blocus, il faut aussi, bien sûr, marquer clairement qu'au niveau de la position politique de la Belgique, d'ailleurs comme c'est le cas pour la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, nous trouvons aussi que ce blocus est tout à fait contre-productif et devrait être levé. Dank u wel. Tijd voor replieken. Eerst de heer De Bruin. Dank de minister voor zijn omstandig antwoord. En ik deel zijn verbazing en ik dacht toch ook wel een beetje verontwaardiging te horen over het feit dat minderjarige deel uitmaakte van de actie en dat ook daarover voorafgaandelijk aan het departement of aan het ministerie geen informatie werd verleend. Ik meen inderdaad dat dit soort acties gerechtvaardigd zijn, dat mag blijken uit mijn vraag, maar het lijkt mij niet aangewezen om daar minderjarige deel van te laten uitmaken. Dank u. Madame Arena. Merci. Donc j'entends bien que l'autorité belge n'a pas été informée des listes noires qui auraient été diffusées par le gouvernement israélien qui malgré tout a diffusé ces listes noires auprès des compagnies aériennes. J'entends bien que vous n'êtes pas compétent effectivement par rapport aux compagnies aériennes, mais il est certainement intéressant de voir quelle est la capacité d'action des compagnies, et donc je vérifierai sur un plan plus économique quelle est cette capacité d'action en fonction des conventions internationales. Merci. Et Monsieur Miller. Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse. Je crois que il faut saluer l'excellence du travail accompli par notre ambassade face à une situation difficile. Pour ma part, je déplore les brutalités éventuelles commises sur nos ressortissants et je compte bien, Monsieur le Ministre, que vous serez attentif à le faire savoir à l'état d'esprit.